Ébullition. Ça me va. C'est au menu. Yo la Yoshi Family, c'est Yoshikara et bienvenue dans ce 15e épisode de Pokémon Ultra Blanche 2. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien de ma part. Ça va super, j'ai voulu entraîner mes Pokémon, mais malheureusement, c'était scripté en sortant de la zone, donc j'ai fait, on va pas les entraîner, on va juste enlever Steez et pour mettre donc le Zoruha, voilà. Donc je lui ai mis le Multi-Ex. Donc c'est parti, donc je vous ai dit que c'était scripté, donc découvrons de suite ce qui va se passer. Vous avez vraiment changé. Vous n'avez plus rien à voir avec les débutants prometteurs de Pavonei. Les Pokémon font décidément grandir tous ceux qui voyagent à leur côté. Oh! Mais c'est... Il faut le rattraper! Yoshi, suis-moi! Je ne ferai pas cela. À quoi bon courir, risque inutile? Les chats crippants, bon sang! Le chat crippant de ma frangine, il est peut-être juste là! Je file moi aussi. Je m'en voudrais s'il lui arrive quelque chose. Je ne comprends pas, c'est pas de la témérité mais de la bêtise. Un dresseur est capable de tout ce qu'il a à ses Pokémon avec lui, n'est-ce pas? Ou peut-être, en fin de compte, le lien entre les dresseurs et Pokémon sont les Pokéballs. Si les dresseurs avaient confiance en leurs Pokémon, ils n'auraient pas besoin de ce médium. Eh ben, on va les suivre, hein. Donc, j'attends une nouvelle zone, ça serait bien. Centre Pokémon interdit, et c'est ça qui m'agace un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. On a un objet ici, on va en profiter. Et on trouve... Oh, un fossile! Un fossile crâne, on va pouvoir le faire éclore celui-là. Ça c'est cool. C'est à Maillard et je crois pas qu'on ait encore visité Maillard. Ce bateau. On se les pèle, non? Surtout. Ça ne fait aucun sens. D'autant que ce navire n'est qu'une façade. Quelle importance puisque vous allez être réduit en bouillie. Oh, il y a du monde. Alors, c'est la base secrète de la Team Plasma. Oh, il y a du monde, oui. Bonne réponse. Comme vous pouvez le constater. On aime bien être en groupe. En grand groupe. Alors, c'est tout? Vous n'y avez pas appelé du renfort? La plus grande bouche qu'un broabam, toi. T'inquiète. On va bientôt avoir la tête d'un miasme. Plasma en avant! Je vous avertis, j'ai grave la haine là. Les enfants d'abord. Putain, on doit pas soigner les... pas de centre Pokémon interdit. Ça va être chaud. Un Pokémon. Il me semble que j'ai mis Papou devant pour histoire de faire XP un peu quand même le reste de la team. Niveau 32, on est à égal de niveau donc. Ok! Papou, j'espère que tu vas envoyer du lourd quand même. Allez, petit vampipoint pour commencer. Méga sensu. Ça va, je le tiens. Même très bien. Rembourse-moi avec le vampipoint. Ok, bon, c'est pas très efficace, mais ça devrait le faire. Ok. Des flags. Tranche-nid, j'ai pu l'éviter. Yes! Allez, Papou. Fais-nous rêver. C'est pas très efficace, mais... c'est suffisant pour le foot KO et ça c'est cool. Ok, 1124 points d'expérience, ça c'est parfait. Papou niveau 33, ça c'est cool aussi. Toilélec, oh. Toilélec, ça empêche de switch, je crois. Fait baisser la vitesse. C'est une attaque électrique. Inhiber kinésie. Dire que ces deux pourraient faire un bon combo.
place de Vampy Point. Allez, à la place de Vampy Point. On le tente. Je sais pas ce que ça va réellement donner, mais... pourquoi pas. Ok, Zoruya monte au niveau 26, ça c'est cool, il évolue niveau 30 au passage. Ok, on a battu le premier sbire, ça c'est parfait. Tu es donc un dresseur qui se bat en faisant confiance à ses Pokémon. Eh oui. T'as cru quoi? Suivant, pulvérisez-les. À mon tour, pardon à moi, miam miasme. T'as un miam miasme toi? T'as un Pouquet? Ah, j'espère pas, car il était costaud Pouquet, je tiens à le rappeler. Bon, un Pokémon. Yann Mega, il est beau ton miasme. Bon, le Yann Mega aussi, il envoie du steak. Du coup, on va commencer avec un petit déflag. Ébullition. Ça me va. C'est haut. Mais non. C'est... j'étais en train de dire c'est haut, mais oui. Je suis feu, moi. Oh, le crit. Oh, le crit qui a fait du bien. Zoruya niveau 27. Plasma, plasma. On a failli perdre Papou. Mais ça suffit enfin! On croirait le fantôme de l'autre gêneur d'il y a 2 ans. Oh. On se farcit lesquels? Sac. On se farcit le sac. Tac, 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 tac. Eau fraîche. Non. Il me reste 14 super potions. C'est la même, c'est l'équivalent de l'eau fraîche, je suis con, moi. Voilà. On la heal. Heureusement qu'on a droit aux potions dans ce cas-là. Nous sommes trop nombreux, rendez-vous tant qu'il est temps. Je gère, va donner un coup de main à Charen plutôt. Très bien. Bon, on va y aller. À la déloyale, 2 contre 1. Yoshi, je pense qu'il est temps de nous montrer ce que nous pouvons faire ensemble. Très bien. Eh, c'est chaud les amis, c'est chaud. Ok, combat double cette fois-ci. Il y a 4 Poké. Un Krabi, ça me va. Granivole, ça me va aussi. Moi je dis ça passe. Ça passe crème. Polichombre. Bon, ça va. Le Granivole, je me rappelle plus de son type. On va faire quand même des flags sur Krabi. Lance-soleil. Ah ok. Oh, j'aurais pu mettre Zénith mon gars. Dommage, j'aurais pu mettre Zénith. Ok. Krabi rapace. Mais d'où? Ah l'enculé, il fait mal en plus. Oh oui. Ok, on va switch. Lamsent, sur qui? Ok. Wow, 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 tu te calmes. Corillon. Ok. Pokémon, 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 Pokémon. Lame sainte, attends, résumé. On sait qu'il y a une lame sainte qui traîne. Donc, acier, feu. Feu normal, non. On envoie My Mario. On envoie My Mario. C'est obligé. Papou revient, oui. My Mario, go. Oh putain, le polichon qui a pris cher, mine de rien. Allez, lance-soleil, sur qui du coup? Yes, sur le Granivole, je le redoutais. Et c'est suffisant. Parfait. Ok, ça, ça... baston. Je l'encaisse très bien. Canartichaud. Ça va. Du coup, on va faire éruption. Ça touche les deux. On est tranquille. Enfin, je crois. J'en ai tué aucun des deux. Ah si. J'ai tué le canard artichaut, le corallon a tenu bon, niveau 28 pour Zoruya, on va avoir son évolution aujourd'hui. Polichombre lance soleil, j'aurais dû faire Zénith encore une fois. Ok, baston, ça me dérange pas. Allez, on termine avec un petit rock boulet sur le corillon. C'était tendu, par 2 fois on a fini perdre Papou, je sens qu'il va pas finir l'épisode. Et on est à même pas 10 minutes. Donc je vais pas couper de suite, ça sert à rien. Ok, on a battu les sbires, ça c'est cool. Les champions d'arène n'est fort, mais... toi, d'où tu sors au juste? Bah, bonne question. De là.
Merci pour ton aide. Tu as fait beaucoup de progrès. Je pense qu'il est temps de devoir venir en aide à Kira. Ouais. Alors, du coup... Sac. On va le perdre, le papou. Je le sens. J'ai pas envie de le perdre. Après, on a la chance aussi qui est solide, mais la chance qui est encore que niveau 28, et je voulais juste le... XP. J'aimerais que ça finisse. File-moi un coup de main. L'espèce d'escroc qui a embarqué le chakripan de ma franchine il y a 5 ans. C'est toi. Et c'est reparti pour un coup à double. Et s'il a un chakripan, moi je dis c'est balèze. Ok. Les deux sbires veulent se battre et m'envoyer un Charmina et Flamoutin. Ok. Il a un Kangourex. Ça a pas trop bougé par rapport à tout à l'heure, ça. Du coup, on va faire des flags sur Charmina. Et l'autre, il met l'anneau hydro, pourquoi pas. Ok, incendie. Sur qui? Tu veux incendier qui? Les deux. Les trois. Si tu veux, tue ton camarade. C'est super efficace sur le Flamoutin, c'est super efficace sur le Kangourex Kekao. C'est super. Merci, Cheren. Et du coup, moi, j'avais envoyé le déflag sur le Charmina. Ok, c'est pas très efficace. Ok, danse plume. Donc, on va achever... On va achever le Flamoutin avec déflag, du coup, tranquille. Ok. Un seul lourdeau. Enculé. Ça, c'est du niveau dans Pokémon. Déflag, du coup, sur Flamoutin. Close combat. Ok, Charmina... Ah, putain. Eh, mais il en veut pour incendier. Il va le tuer, son collègue. Il nous fait un FFA. Ok, le Charmina, en fait, il est Choice Scarf ou un truc comme ça. Putain, il a brûlé un sur lourdeau. Oh, l'un sur lourdeau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'était beau, ça. Bon, la synchro qui a pas marché, c'est dommage, mais bon. Ok, Porygon 2. Alors, Porygon 2. Bon, on va faire une toile élect du coup. Hein. Ah, mais c'est sur les deux. Oh. Oh. Ah bah, il est mort. Ok, bon. Zoruya 29. Parfait. Vague Psy. Ah, ça peut être intéressant, ça. Vague Psy. À la place de... Aromathérapie, ça fait quoi déjà? Point d'art, c'est bien ça, point d'art. On va mettre à la place d'aromathérapie. On sait pas en quoi il va évoluer, donc autant qu'il ait 4 types différents, voilà. Toile élec. Bon, au final, ça va pas être très efficace, je pense. Juste, voilà, perdre la vitesse. Donc, il souffre de sa blure. Trop pignon. Et ça, c'est pas des gros Pokémon. On aurait pu avoir des légendaires là face à nous. La mointe de un seul lourdeau qui est rapide quand même. Et il a beau être burn. Franchement, il gère. Souffle glacé. Ok. Même pas peur, même pas peur, même pas peur. Allez. Tu y passes, oui. C'est bon, il y est passé. Et c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Cradovague. Aïe, aïe, oh putain, on tient bon, on tient bon, on tient la route, on tient la route, on tient la route. Oui, un seul lourdeau, il tient aussi la route. Logiquement, il nous fait une lamointe. Mais on assure le coup. Charge foudre, ok. Pourquoi? Un seul lourdeau de Zekrom, pourquoi pas? Ok. Eh hey, mais il est solide son un seul lourdeau, mine de rien. Je veux le même, je veux le même. Ok, Papou niveau 34, c'est cool. Et niveau 30 pour Zoruya, il va évoluer, oui. Et les deux sbires ont été éliminés. Ce n'est pas comme ça que j'ai protégé la Rafio. Blast, 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 blast. Ouais. En quoi vas-tu évoluer? Dis-moi tout. Allez, évolue, évolue et donne-moi quoi comme Pokémon? Oh, le lag!
Oh, ça veut dire que tu as encore évolué, toi. Un Boscara. Boscara. Oh là, c'est pas vrai. Aïe. Que faire? C'est bon, ils en ont tous pris plein la tête. C'est le moment de leur faire cracher où ils planquent le chat crippant. J'ai quelques recherches à faire, moi aussi. Quel est ce tapage? Mais tu ne serais pas ce sage, transi dans le froid du hangar frigorifique? Lilien, non? Tu tombes à pic, nous voulions juste en savoir ce que vous tramiez dans ce nid de ces vipères. Petit impertinent, je te trouve bien inquisiteur. Mais soit, nous allons conquérir une Nice dans l'égide du dragon légendaire. Mais nous ne laisserons pas de vulgaire impedimenta tel que vous entravez notre course. J'ai pas compris ce que je viens de lire. À moi le trio des ombres, escortez-moi ces mauvais sujets. Oh putain, le trio des ombres. Vous semblez avoir oublié. Vous semblez avoir oublié que nous sommes pas vos. Je ne le sais que trop. Mais faites votre office subito. Dans ce cas. What? On a été téléporté. Le trio des ombres? C'est quoi encore ces types? J'en ai ma claque, la team plasma s'est encore fait la malle. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Le trio des ombres. Des surhommes entourés de mystères utilisés pour entraver tout opposant. Mais surtout, ce que Lilien dit m'intrigue. Nous suivons la bannière du dragon légendaire qui couvrira bientôt Unis. Que voulait-il dire? Le dragon légendaire se sont régira mes écrans et tous les deux ont disparu d'Unis. Yoshi, j'ai une enquête à mener. Je dois filer sur la route 6. Fais attention à toi. Route 6, on a capturé les Pokémon là-bas? Bonne question. Alors, on va à pas soigner les Pokémon, mais non. Enfin, si, on va les soigner, mais autrement, du coup. Super potion, encore une fois. Hein. Alors, on va voir au passage le Boscara, qui est fort intéressant. Du coup, Boscara, il est de quel type? J'ai envie de dire... pas feu, j'espère pas. Parce que là, j'en ai un petit peu assez des types feu. Allez, on va dire un... Ténèbres. Ténèbres. Psy-ténèbres, ce serait énorme. Ah, Planto. Oh, bien. Ok, Planto, pourquoi pas, ça me va. Donc avec Benet, empêche de tomber amoureux. Ça va, donc il a le point d'arc et stabé, donc c'est sympathique. Ok, bah je valide. Je valide tout cela. Alors du coup, nous, on va mettre la carte. Pour voir où on va. Hein. Ah, c'est bon, la route 6, elle est dégagée, on l'avait pas faite. Alors ben c'est parti pour la route 6, on va capturer de nouveaux Pokémon de zone. Attendez, le hangar frigorifique. Le hangar frigorifique, je sais qu'il est dans le coin. Ah, me faites pas marcher les gars, je sais qu'il y a un hangar dans le coin. Mais il est où cet hangar, bordel? Non, mais... Là, il doit être par là. On a une zone ici, on a une zone. Ça sent la zone. Chemin enfoui. On l'a pas fait. Je crois pas. Oh. On va foncer sur ce tesson rouge. D'accord. Non, chemin enfoui, on l'a. J'ai un doute. Sac. Chemin enfoui. Carte utilisée. Je sais plus. Là. Route 4. Désert délassant. Château enfoui. Non. On avait fait le château enfoui, mais pas le chemin enfoui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, petit Pokémon de zone. Voilà, ça, c'est excellent. Voilà une bonne nouvelle. Et un... Crapustule. Femelle. Je sais comment je vais l'appeler. Et la personne concernée va me détester. Ah, putain. Ah, oh, c'est méchant. Alors, pour la petite info, si j'arrive à le capturer, je sais comment je vais l'appeler. Pour l'unique et bonne raison, parce que j'ai eu une convo Skype avec cette personne-là qui est revenue de vacances récemment. Et je lui ai dit, bah, tu es devenu shiny. Elle me fait, non. Non. Surtout les piqûres de moustiques. Ah, je fais, ah, bah, du coup, t'es fusionné avec Crapustule. Enfin, Crapustule.
Donc, je crois que c'est pour toi, ça. Sac, tu vas me haïr, je le sais. Quand tu vas voir l'épisode, tu vas faire... Mais non, t'as osé. Allez, super, Baoul. Je pense que t'as déjà deviné avant même que je le capture. Comment on va l'appeler? Ouais. Que tu te sentes... Enfin, non. Ouais. C'est bon, je sais comment le mettre. Ok, Crapustule sont ajoutés au Pokédex. C'est quoi son type? Feu ténèbres, mais encore un Pokémon feu! Ok, donnez un nom à Crapustule. Oui! Alors... Voilà, donc j'ai décidé de l'appeler Luna Gold. Donc si tu t'es reconnu Luna là, je suis désolé. Mais... Voilà, c'est le hasard complet. Et surtout quand tu regardes à l'heure où je tourne, donc c'est le soir même de cette fameuse convo, voilà, il est 22h23, donc c'est totalement le hasard. Est-ce qu'on aurait pu avoir autre chose ou pas? Allez, on essaye de voir si on peut avoir un autre poké. Ok, à la sortie. Et on aurait pu avoir un Beto Chef. Ah, le Beto Chef, il mourrait peut-être un petit peu plus hype. Bon, après on a un Crapustule. Début calme. Ah non, j'aurais pas voulu l'avoir. Fuite. On fuit, on fuit. Allez, direction donc la route 6. Donc nous voilà donc sur les abords de la route 6. Alors, on a de quoi pêcher, mais j'ai toujours pas de canne à pêche. Où est-ce qu'on a cette canne à pêche? Je me rappelle plus du tout. Donc, un nouveau Pokémon de zone à capturer. Donc ça, c'est parfait. Ouh putain, je crois que je vais me choper un dresseur au passage. Et un... Oh! Un Miamiasme. Ok, niveau 26, Papougo. Miamiasme, c'est un garçon. Du coup, bah, on va faire toi les legs, car c'est pas surpuissant. On en profite. Putain, on va se gaver maintenant. Oh, j'ai failli le tuer. Très bien. Fulmifère. C'est acier, je suis feu, donc ça passe. Quoi? Mais c'est une blague! Utilisez un autre poké. Allez, go la chance. Mais d'où Fulmifère me... J'avais dit qu'il allait pas finir l'épisode, Papou, mais à ce point-là, se prendre un home, un wash KO quand même. Allez, Super Bowl. Fumier, va. Et t'as intérêt d'être intéressant, on les découvrira dans le prochain épisode, mais je suis dégoûté, là. Ok. Miamiasme est attrapé. Me dis pas que t'es de type feu, sinon je te massacre. Ténèbres. Ok. Ténèbres. Comment vais-je t'appeler? Voilà, j'ai décidé de l'appeler Poubellito. Et d'ailleurs, au passage, c'est vrai que ça fait quelques épisodes que je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des idées de surnoms pour vos Pokémon, pour les Pokémon que je capture, dites-le moi dans les commentaires, je piocherai dedans, comme j'ai pu faire pour Tekiro, My Mario et compagnie. Donc Poubellito, voilà. Non mais c'est une blague. Il nous a fait un OH KO. Nous faut surf. Ok, on esquive. On esquive. Ok, on a deux... Ah non, il y a des trompignons, je crois, là-dedans. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des trompignons là-dedans qui ne sont pas forcément... Ah si, ce sont des trompignons. Très bien, niveau 29. Bon, My Mario, go, hein. Alors, éruption. Putain, on a perdu Papou. Ah, mais je suis le dégoût, quand même. Goulade. Wop, hop, hop. Deuxième éruption, on va essayer de choper la Pokéball et on va s'arrêter là, les amis. Parce que, ouais, je viens de regarder, je suis à 26 minutes de record. Et... Ouais, j'ai pas envie de faire 40 minutes non plus d'épisode. Hein. Il a été bien, quand même, l'épisode. Encore une perte, mais c'est pas grave. Oh, un Crustabri! On aurait pu avoir un Clitondine. Ne cherchez pas pourquoi Clitondine. Attends, on va descendre du vélo. Mais... Je voulais récupérer... Dans cet exercice, je dois vérifier que mes points d'expérience de mes Pokémon
Ok, bon, dernier combat, on récupère l'objet, c'est fini, les amis. J'espère que ça sera pas non plus trop dur. Chez Tiflor, ça va. J'ai connu plus compliqué dans la vie. Alors, nous allons envoyer Mai. Comme d'hab, éruption. Et Mai, il envoie du steak, il est niveau 36, il est solide. Et c'est un KO. C'est pas très efficace, mais c'est un KO. Ok, Mai Mario 205 points d'expérience, Boscara continue à développer, tourne gras. Ça va, on s'en sort plutôt bien. Allez, deuxième éruption. Saisi. Qu'est-ce que t'as voulu me faire, Tournegrin? Avec quoi tu me saisis? Ok, c'est parfait, c'est nickel. Il est KO. Il en a battu l'élève Neowars. 780 Poké-Dollars, c'est parfait. Allez, l'objet, c'est quoi du coup? Deux fossiles crânes. On a eu deux fossiles crânes dans un même épisode? C'est une blague, attendez. Donc je pourrais que m'en servir d'un, sinon l'autre c'est un doublon. Ok, bon ben, on se retrouve de suite ben, pour l'ultra roue les amis. Et donc nous voilà donc sur cette ultra roue, on a perdu Papou, donc rest in peace pour toi. Et c'est parti donc pour ce petit tournage de lag de roue. C'est toujours très moche tout ce qui se passe quand je tourne de cette roue, je sais pas comment régler OBS pour ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Et donc, pour ce 16e épisode, nous allons avoir quoi comme règle? Double la prochaine zone. Ok. Faut que je trouve une nouvelle zone et je peux la doubler. Donc la route 6, elle est cramée vu que j'ai capturé le Pokémon de zone. Mais la prochaine zone dans l'épisode, je pourrais la doubler en espérant qu'on en ait une. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode 15 t'a plu. Voilà, n'hésite pas à rejoindre la Yoshi Family si ce n'est pas encore fait. À me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas non plus à mettre en commentaire un petit nom de Pokémon si tu as envie d'en avoir un qui soit montré dans ce let's play. Et sur ce les amis, on se retrouve très vite pour cet épisode 16 où on va doubler la zone. Et sur ce les amis, peace!